Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout dernier huitième de finale. La Belgique fait face à la Macédoine du Nord ici ce soir. Dans ce stade plein pour ce dernier huitième de finale. Allez, la dernière place. Qui va aller en quart de finale affronter la Finlande? Ça sera soit la Belgique, soit la Macédoine du Nord. La Belgique est sur le papier favorite, mais attention à la Macédoine du Nord. Attention. Et c'était l'hymne de la Belgique. Eden Hazard, Lukaku, Chadli, De Bruyne et bien évidemment le gardien Thibaut Courtois. Pour la Macédoine du Nord, toujours la même formation et composition d'équipe. Avec Pandev en attaque, avec Elmas aussi, Ademi, Bardi et Dimitri Esfti en gardien. C'est la Belgique qui va faire la mise en jeu de ce huitième de finale. Nous sommes en direct. N'hésitez pas à réagir. Et on est parti. Il a fallu attendre les tirs au but du match à 18h entre la Turquie et la Finlande pour avoir un gagnant. On espère que pour ce match, la Belgique, Macédoine du Nord, on n'aura pas des tirs au but parce que c'est quand même assez cruel. Et surtout que sur le papier, la Belgique ne devrait pas avoir trop de difficultés, mais c'est sur le papier parce que la Macédoine du Nord a quand même été capable de battre le Portugal. Donc grosse méfiance. Ah, ce serait énormément surprenant que la Macédoine du Nord aille en quart de finale et élimine la Belgique. Et ce serait surtout très beau pour leur première participation à l'Euro de leur histoire. Kristovski. Masse. Bardi. Ademi. Oh, la passe en avant. Là, c'est une passe vers le gardien. Oh, il se fait provoquer un corner. Bien joué. La tête. Oh, prudence. Ça dégage en touche. Kristovski avec Krzyszkowski. Il a perdu le ballon, hein. Ademi. Belle reprise de la balle de la part de Witsel. Lukaku qui perd le ballon. Krzyszkowski. Ademi. La bonne passe vers Pandev. Pandev, l'attaquant, qui tire. Et l'arrêt de Courtois. En fait, c'était pas un tir. Il a essayé, mais la défense l'a bien empêché quand même. De Neuer. Attention à pas perdre la balle hein, ici. Chadli. Vers Hazard. Trossard. Attention. Et il se fait prendre la balle. Musliou. Pandev. Et c'est bien repris Elmas. Bardi. Et l'interception de Chadli. Hazard qui se... n'aura pas le ballon. Hazard. Krzyszkowski.
Ils s'en sortent bien, ils s'en sortent bien le centre. Oh là là là, la tête, elle aurait pu finir dans ses propres cages là. De Bruyne avec De Neuer. Vers Chadli. Kaku est hors jeu. Ah bah oui. Eh oui, monsieur Romero Lukaku. C'est hors jeu. Alors que les pronostics, hein, voient la Belgique remporter cet Euro 2020. Ça, ça reste à voir. Oh là 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 là, heureusement que Vertonghen est revenu parce que la passe en avant était très très bonne. Prudence, hein. Très grosse prudence pour les Belges. Ils savent quel est l'adversaire. On peut pas être plus sur la défense que ça pour la Belgique. Boyata avec De Neuer. Vers Chadli, la tête. Et non, pourquoi il n'a pas pris De Bruyne? Il était devant. Ah, c'est pas bon pour eux. De Neuer qui fait la passe. Non, ils arrivent pas, hein, ils arrivent pas. Hein. La Belgique pour l'instant, c'est inquiétant. Je vous le dis, c'est inquiétant. Trossard. Boyata. Hazard. Vertonghen. De Bruyne. Et ça revient pour la Macédoine du Nord. Oh, attention, le tacle glissé. Hasard. Oh bah non. Witzel. Regardez comment les joueurs de la Macédoine du Nord vont direct sur les attaquants de la Belgique. Pour le centre. Ah là là là, ça aurait pu. Oh De Bruyne. Oh De Bruyne, le tir. Et l'arrêt de Dimitrievski. La passe. Doku. De Bruyne. Witzel avec Chadli. Boyata avec Vertonghen. Eden Hazard. Oh, Doku. Doku qui peut y aller. Lukaku qui peut y aller aussi. Oh là 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 là, ce serait le corner. Oh, le danger là dans la surface de réparation macédoine. Ah, c'était chaud. Oh là là, c'était chaud. Il a eu de la chance, le gardien de la Macédoine. Trossard. Ah, ils ont pas communiqué entre eux. Ils savaient pas qu'il allait lui faire la passe. Doku. De Bruyne. Mais non, c'est mal fait. C'est mal fait ces passes. Hazard. Avec Chadli. On passe. La tête et non. Ce sera la défense d'abord. Et le ballon est sorti. Witzel avec Doku. Lukaku.
Le tir, et encore il tire sur un défenseur. Vertonghen avec Witzel. Hazard. De Bruyne. Vers Trossard. Oh non, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Ça va pas du tout cette passe. De Bruyne. On a atteint la demi-heure de jeu. Et faute. Faute. Ouais. Sur Lukaku. Et l'arrêt. Tête et la parade. C'est le feu. Il est tiré, la tête du défenseur qui dégage. Hazard avec Hazard. Il tire et l'arrêt encore. Incroyable, hein. Courtois, Boyata, Witzel, vers Hazard. Kaku, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi Hazard y est pas allé? Oh là là, il y a des difficultés quand même. Hein. À Belgique, ils ont dit qu'ils étaient devant sur le papier, mais c'était vraiment que sur le papier. Parce que sur le terrain, pour l'instant, c'est totalement l'inverse. Ils essayent, mais c'est difficile. Hein. Allez, ça peut revenir, ça peut revenir. Pandev. Pour l'instant, c'est la Belgique qui met la pression. Boyata avec Witzel. Vertonghen, Hazard. Hazard. Chadli. Doku. Trossard sur le côté qui peut centrer. Oh, c'est trop fort. Sar. Quelques secondes avant la fin de la première période, 0-0 toujours, une minute de temps additionnel. Surprenant quand même, le 0-0 à la mi-temps. C'est dur à croire.
La dernière occasion, peut-être. Et ben non. Voilà, 0-0 à la mi-temps entre la Belgique et la Macédoine du Nord. On se retrouve tout de suite. La seconde période est lancée entre la Belgique et la Macédoine du Nord pour ce dernier huitième de finale de cet Euro 2020. 0-0 au score, on espère que ça va bouger, on espère vraiment. Vertonghen avec Witzel. Hazard. Chadli. Chadli sur le côté qui avance. Essaye de dire à ses coéquipiers de monter, mais ça écoute pas. Oh là là, tête, dommage, Lukaku. L'enchaînement était bien. Ça aurait pu donner quelque chose d'un peu mieux, je pense. Ils vont pas lâcher les Belges. Ça va finir par rentrer à mon avis. Hein. Hasard. Doku avec Chadli. Oh là là, le feu et l'arrêt. Incroyable, hein. Qui essaye de défendre. Oh là là, le tir, ça passe totalement à côté. On lâche rien pour la Belgique qui domine au niveau de la possession de balle. Hazard. Chadli. Non, il se fait prendre la balle, hein. Oh là là. Incroyable. Hazard. Chadli. Hazard à nouveau. De Bruyne. Oh, Lukaku! Ah, le mauvais contrôle! Oh là 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 là! Il y a le feu quand même, hein! Et la défense qui récupère bien ce ballon! Denayer avec Witzel! Eden Hazard. Chadli. Ils sont pas assez à monter pour la Belgique, je trouve. Ils sont trop peu comparés à la défense qu'il y a. Ah, il décale, non. Et non. Elmas. Trzykowski. Ah ouais, bah non, mais il s'écroule, faut courir plus vite. Hein. Qui ira affronter la Finlande en quart de finale de cet Euro? On rappelle que la France aura comme adversaire la Pologne de Robert Lewandowski. Oh, le tir est l'arrêt.
Hazard. De Bruyne. Et la bonne tête. Attention, ça peut revenir. Romero Lukaku. Ah, il y a peu de solutions. Il y a peu de solutions. Et il perd le ballon, logiquement. Aïe, 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 aïe. On ne peut pas le croire que nous sommes à la 65e minute de jeu et qu'il y ait 0-0. Comme quoi, le niveau des deux équipes, finalement, est assez équilibré. Hazard. Doku. De Bruyne. Oh non, c'est mal fait ça. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils font la Belgique? Mais ils comptent gagner le match comment là? Et Mertens remplace Doku. Ah ben ça fera peut-être le meilleur pass. Parce que pour l'instant c'est vraiment pas fameux du tout hein. Je suis effrayé. De Bruyne avec Hazard. Lukaku. Et il y a peu de solutions, il est vite entouré. Mertens. Trossard. Hazard. Witzel. Chadli. Hazard. Ils essayent de faire reculer cette défense. Oh, ils tirent. Ah, ils tentent, ils tentent. Je crois qu'ils commencent à s'impatienter, les Belges. Ils essayent, ça passe pas. Ils vont peut-être commencer à tenter de loin. Des tirs un petit peu désespérés. Oh, le centre. Ça dégage. Lukaku. Avec Hazard. Faire la passe, non, il a perdu le ballon. Oh, c'est dommage. Oula, pas de faute. Eh si, faute de la part de la Belgique, signale l'arbitre. Ah oui, oui, oui. Effectivement. Carrasco a remplacé Chadli pour la Belgique. Castagne a remplacé Trossard. Double changement pour les Belges. Attention, Elmas. Elmas qui est tout seul. Elmas qui marque pour la Macédoine du Nord. Mais what the fuck is this? 75e minute de jeu. Et c'est la Macédoine du Nord qui marque. À n'en pas y croire. Comment est-ce possible qu'il se soit retrouvé ici et seul? C'est pas possible, c'est pas possible. Allez, magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Mais what the hell? C'est pas croyable. Hein. Ah, c'est beau. C'est bon en tout cas ce qui se passe pour la Macédoine du Nord. Premier euro pour une première participation. Ils sont pour l'instant qualifiés pour les quarts de finale. Il reste encore 15 minutes. Et la Belgique qui paye cash à toutes leurs erreurs. Lukaku avec Hazard. Oh, attention. Et maintenant ils vont faire que défendre la Macédoine.
fait aucun changement aussi. Pandev. Trichkovski. Et non. Oh là là, Pandev qui décale. Mais la défense belge est plus fébrile en tout cas. Hein. Ce score de dingue. Je ne sais pas qui va gagner cet euro. Mais en tout cas, ça va être exceptionnel. Ça, c'est sûr. Ademi. Oh, il se fait prendre le ballon. Allez, il faut faire le contre maintenant. Mais il est tout seul, Lukaku. Que voulez-vous que les Belges fassent? Ils remontent pas assez vite. Il peut centrer là. Il peut centrer le centre. La tête et l'arrêt. Flanche pas, hein, Dmitrievski. Vertonghen avec Witzel. Boyata. De Bruyne. Lukaku. Oh, le mauvais contre. Le mauvais contrôle de Lukaku qui tire. Oh, mais c'est pas vrai. Pourquoi il contrôle mal le ballon comme ça? C'est pas possible de faire ça. Il en a marre de lui. Il en a marre de lui. Ça se comprend. Plus que 5 minutes. 5 minutes. Il peut tirer. Oh là 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 là. Mais ça touche encore un défenseur. C'est dingue. Ah non. Ils n'y arriveront pas. Lukaku qui tire encore dans le mur. Castagne qui centre la tête. Oh là là, ça enchaîne, ça enchaîne. Ils savent que la victoire est en train de s'échapper pour eux. Que la qualification s'échappe. Le centre, le dégagement du point. Faute. Faute de qui? Faute de Lukaku apparemment sur le gardien. Oh bah... Ah bah non. Ah bah non. C'est pas une faute ça, monsieur l'arbitre. Y'a rien eu là. Ça c'est étrange par contre. Pas compris. Allez. Allez, c'est la fin des fins là. Le tir, oh là là, il peut tirer. Lukaku qui tire à côté, mais c'est pas possible. Oh là là, mais ils essayent, ils essayent. Ça aurait pu rentrer tellement de fois. Mais la défense est incroyable en face. Hein. Ah ben, ça va être terminé. Ils reviendront pas, les Belges. Pas faute, signer l'arbitre. Jusqu'au bout, ils vont essayer. 2 minutes. 2 minutes. Pour aller marquer dans le temps additionnel, ce qui s'est peut-être fait une fois dans cet Euro 2020. Mais pas deux. Le centre. Lukaku! Oh my god! Mais c'est pas possible! Lukaku qui égalise pendant le temps additionnel. Mais je sais pas vrai ce match. Juste quand je dis que ce n'est pas possible, il le fait. Ça passe enfin pour Lukaku.
Et ça va être les prolongations. Alors qu'on était en train de faire nos valises, nos bagages, qu'on était en train de remballer tout le matériel, parce qu'on ne pensait pas que la Belgique reviendrait, eh ben finalement on va tout défaire. Hein. Ah bah oui, on va rester encore un petit peu plus ensemble, en direct, pour ce match qui explose complètement. Tout reste à faire pour la prolongation. La première période des prolongations est lancée. C'est exceptionnel ce qui se passe. Un partout. Attention, le centre. Oh, à côté. Oh, Lukaku, ça y est, le but l'a mis en confiance. Allez, ne perds pas espoir. C'est incroyable. La Belgique qui est revenue quelques secondes avant la fin du match. Oh là là, la Macédoine qui pensait avoir terminé, qui pensait avoir réussi et non. Alors là, par contre, ça a lié, ils sont déchaînés les Belges. Vertonghen, Carrasco, Hazard, Lukaku, Mertens, et le deuxième but de la Belgique qui passe devant, but de Mertens qui donne la joie à toute l'équipe et au staff. Déchaînés, ils sont enfin réveillés les Belgiques. Le véritable cauchemar pour la Macédoine du Nord, qui avait d'abord commencé par un rêve. Et là, ils ont réveillé les Diables Rouges. La Belgique est pour l'instant en quart de finale. De Neuer. Vertonghen. Velkovski. Ouh, la belle passe en avant vers Pandev. Oh là là. Oh là 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 là. Mais non, mais non, mais non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il tire à côté. Il a tiré à côté. Mais what? Oh non. Mais non, mais ça c'est... Alors ça non, c'est pas possible ça. Oh, qui va s'en vouloir. Oh lolo, qui va s'en vouloir. La Belgique qui a juste à faire tourner et à être prudente maintenant.
Hardy vers Elmas. Oula, il décale bien là. Hein. Oh là, il y a des écarts hein, dans la défense belge. Oh le poteau, le poteau. Ils sont pas à l'abri. Ristovski, Bardi, le tir et la parade de Courtois, et c'est pas fini. Et c'est pas terminé. Ah, il se fait prendre la balle. Oh, ils ont chaud les Belges, ils sont très très chaud. Parce qu'il reste une période encore à tenir. Faut qu'ils marquent, hein. Faut qu'ils fassent le break. S'ils veulent être un petit peu tranquilles. Mertens. Il n'y aura pas de temps additionnel. C'est la fin de la première période. La prolongation 2-1 pour l'instant la Belgique. Il faut tenir. La dernière ligne droite, la dernière, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Boyata. Denayer. Vertonghen. Il est pas sorti ce ballon. Incroyable. Eden Hazard. Oh là là. Oh là là, quelle guerre. Ce sera une touche pour la Belgique. Un changement. Pandev est remplacé par Ritovski du côté de la Macédoine du Nord. Hazard. Mertens, attention Lukaku encore, attention c'est pas fini. Le coup de poing. Veloski. Ah, qui dégage, allez, il y a 10 minutes à tenir pour la Belgique et 10 minutes pour essayer de revenir pour les Macédoines du Nord. De Bruyne. Oh, Lukaku. Et le troisième but de la Belgique qui fait le break dans ce match. 3-1. Lukaku, le doublé de cet homme qui a fait un match très très fantomatique durant tout le long. Et il aura fallu attendre la fin de la seconde période et les prolongations pour qu'il se réveille. La Belgique qui vient d'enfoncer le clou et qui, on peut le dire, je pense, est qualifiée pour les quarts de finale. Boyata, Witzel qui décale vers Carrasco. Ah, il aura pas hein. Même s'il est revenu très vite. Ademi. Voilà, c'est un coup très très dur hein, pour la Macédoine du Nord qui avait tout l'espoir du monde et qui finalement là a deux buts de retard et qui à mon avis ne reviendra pas. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer.
avec 4 minutes restantes. Ah, c'est une fin logique, même si la Belgique a été vraiment en très très grande difficulté pendant tout le match. Trzykowski. Ah, il va pas centrer là. Bardi qui tire et non. Et non et non. De Bruyne sur le côté là-bas, il a bien vu Castagne. Alors là, là il y a plus de défense, là il y a de sacrés écarts. Et il perd le ballon. Trzykowski. En tout cas, la Macédoine du Nord a fait un parcours exceptionnel durant cet Euro 2020. Le tout premier Euro, ils sont allés jusqu'au 8e. Ils peuvent être fiers d'eux. Et la Belgique est qualifiée pour les quarts de finale. 3 à 1. Bravo aux deux équipes. Et merci à tous d'avoir été présents pour ce match. Et bravo à cet homme, Lukaku, le doublé. Bonne soirée à tous.